Parce qu'on ne peut pas vous penser qu'on est pareil. Que non, parce que comme je viens à Paris là-bas, ma mère quand même, là, je ne ressemble pas à du Cambido. J'ai un domicile avec mon nom sur la boîte aux lettres. Attendez, je vais descendre tout à l'heure dans la voiture. J'ai un domicile avec une boîte aux lettres. Bien parce que je suis dans. C'est parce que comme j'ai beaucoup de problèmes avec la justice, avec les huissiers de justice, et en France, on ne peut pas saisir. Je travaille où? Maïfort. Tu me demandes, je travaille où? Là où je suis en train de. Tu vois pas les petites publicités qui passent en bas? Oh, ma chapelure d'amour, ma chapelure d'amour, hey, ma chapelure d'amour. Chapelure, I love you, te quiero. Une femme qui n'a jamais douté de la mère, quand même. Elle en veut toujours. Non, c'est pas parce que je. Non, je peux vous montrer ça, je vais vous montrer ça, vous allez voir. C'est pas la voiture de la mère, quand même. Attendez. Attendez, peut-être que vous faites toujours comme si. Voir mon bureau sinon. Voir le bureau d'Amérique à Marlo, parcours de golf. Voir le bureau d'Amérique à Marlo, sinon. Voilà. Le salon s'en va aussi là. C'est parce que je n'aime pas les. Voir le studio, le salon en haut là. Voilà. C'est parce que je n'aime pas souvent les. Maintenant, on va évoluer. On va évoluer. Bon, il n'y a pas le courrier. Ce n'est pas la voiture du live là-bas, bande d'idiots. Go, amen, apanga. Ce n'est pas parce qu'on est là, on fait semblant, on rigole avec vous. Enfin, nous, il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'on est là, on rigole avec vous. Bien parce que je reste à Paris parce que j'aime bien animer la toile. Je reste à Paris parce que j'aime bien animer la toile. Bande de frelatés. Go, amen, amen, n'a pas la maison. La mère, ta mère n'a pas la maison. Tu as le corps, le style et tout ce qui s'ensuit. Vous voulez quoi? Dans votre rêve, c'est ça, de voir ta mère n'a pas la peur. Pour tous ceux qui veulent la voir, ta mère, je vous donne rendez-vous demain. Pour tous ceux qui veulent voir ta mère pour la première fois, pour tous ceux qui veulent côtoyer ta mère la première fois, je vous donne rendez-vous demain chez Gluta Cosmétique. Avenue. Bon, allez sur le site de Gluta Cosmétique, vous allez voir, c'est demain. Je serai là. Donc, quand les gens viennent sur un jingle, amen, parce que je rigole avec vous, vous pensez qu'on est pareil? Ou bien parce que je viens, je dis, oh, mamie dehors et tout, je vois dans le pays, il n'a pas la maison. Je suis avec moi. Un gars. Je t'invite. Alors, toi, venu, pasteur, si tu veux mon adresse à Brive, là-derrière. Je t'invite, tu viens. Et pour les filles, non, sérieusement, je t'invite. Vous êtes toujours là en gros, amen, amen, amen. Parce que ne confondez pas les gens. Hein. Je peux être. Non, c'est parce que sinon, je montre ça tout le temps. Je montre ça tout le temps. C'est parce que les cabris comme toi ne savent pas que je montre ça tout le temps. Donc voilà, je montre ça tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des petites filles qui peuvent aussi. Je vous dis, je suis toujours dans la séduction. Quand ils montrent mon adresse, c'est pour dire à la que non, tu peux que. Il y a l'adresse déjà là, donc tu peux que je te bring. Quand ils montrent la voiture, c'est pour dire à la que non, je peux te tirer à la gaz, je te bring, on finit ce qu'on a fait. Tu penses comme mouton, tu penses quand ils font ma promotion comme ça, je me vends comme une waka, petit frère. Donc on était là. Donc, quand je vois les petits waka, les petits waka, non, là je m'en vais en salle. Parce que je peux bien faire le sport à la maison, mais là je m'en vais en salle. Je m'en vais en salle et après, je peux bien faire le sport à la maison, mais pourquoi je ne fais pas le sport? Je vous rappelle que j'ai un parc, j'ai un truc de golf. Je peux bien jouer au golf. Je voulais même aller au golf aujourd'hui, mais sauf que c'est saturé aujourd'hui. Donc voilà, je peux bien aller jouer au golf. Voilà. On veut m'ignasse. Vous pensez qu'elle veut m'ignasse pourquoi? Demandez aussi qu'on discute les autres. Pourquoi vous n'oubliez pas qu'on discute? Demandez aussi aux autres que parlons, discutez nous aussi. Vous voyez ces gars-là qui sont prêts à tout pour sortir avec moi. On vous a dit qu'elle blague. Elle ne blague pas. Hein. On vous a dit que quand vous voyez l'étoile qui vient jalousée, quand vous voyez l'étoile qui vient jalousée, vous pensez que l'étoile qui vient jalousée se moque. Vous pensez que c'est une blague. Parce que le fois, quand les filles là sont dans les réseaux sociaux, vous pensez qu'elles sont en train de blaguer. Vous pensez qu'elles sont en train de blaguer. Elles ne blaguent pas.
Un gars veut le 53 cm. Regardez comment le gars est prêt d'abord. Regardez comment... à la salle de sport maintenant, c'est la muerte. C'est la muerte, maman. Vous pensez qu'elles sont prêtes à quoi? Regardez comment elles se ridiculisent. Regardez. Oh, Amer, arrête de parler de moi. Avec toute l'excitation. Elle dit à Flo, elle va gâter ça, elle va m'arrêter son couple là tout de suite. Je vais poster les photos jusqu'à ce que son couple se gâte. Parce que c'est facile de dire que, oh, moi, Amer, Kamé, non, Amer, Kamé, même. Non, je vais montrer que toi aussi tu m'aimes. Il va me montrer que Flo, il va me montrer que toi aussi tu m'aimes. Il va me montrer ça comme ça. Les gens vont voir. Les gens vont seulement dire que oh, les gens vont parler pour parler. Mais il va me montrer les photos. Vous avez vu comment la gamine met le poisson dans la bouche. Le poisson qu'on met dans la bouche. Comment ça? Vous parlez de quoi même? Tout le monde a vu comment la gamine met le poisson dans la bouche d'Amer Kamer. Vous parlez de quoi? Oh, c'est seulement Amer Kamer. Non, ce n'est pas le. Vous voyez tous les filles courir derrière moi. Vous pensez qu'elles courent derrière moi pourquoi? Vous pensez qu'elles courent derrière moi pourquoi? Maintenant, la baronne aussi est dedans. Je vous ai toujours dit, je ne parle même pas en genre. Oh, Amen, Kamé, il faut penser au mariage de l'étoile caribienne. Quand on s'écrivait souvent, quand on se voyait souvent, elle ne pensait pas qu'elle avait un mari. Non, c'est la question que je vous pose. Quand on s'écrivait souvent, elle ne pensait pas qu'on avait un mari. Quand elle disait souvent que, oh, mon étoile d'amour, je pense à toi, oh, bonne nuit, ma chérie, je t'embrasse très fort, je te fais des bisous partout. Quand je disais tout ça là, c'était les blagues. Parce que quand ça arrive dehors, voilà pourquoi on vous dit souvent que ce n'est pas n'importe qui peut gérer un amant. Je vois les gens venir dire Congo, Amen, Kamer, c'est le sabotage. Tu veux gâter le malade, le pas plus bien. C'est la vérité que vous n'aimez pas. On va de l'autre côté. Flore dit que oh, je suis en couple. En couple où? Dis-le à Flore, rien que dis au gars là que tu ne l'aimes pas. Montre, attendez, est-ce que je. Attendez, prends l'iPad. Est-ce que ma part parle? Je prends l'iPad. Vous allez me dire. Mais tu veux dire Congo, c'est le sabotage, attendez. C'est le sabotage. C'est le sabotage. C'est quoi ça? Regardez les yeux. C'est le sabotage. Dis aussi qu'on passe au gars là. Oh, c'est un Gabonais, c'est un Gabonais. Dites aussi qu'on passe la même chose au gars là. Dites aussi. Je t'appelle une semaine, tu ne réponds pas, j'atterris chez toi. La connerie des réseaux sociaux, il faut que ça se calme un peu. Je te rappelle que la relation qu'on a, toi et moi, n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Tiens, mon étoile d'amour. Voilà. Vous êtes là en gros, Amer Kamer, Amer Kamer, Amer Kamer, c'est le buzz. C'est le buzz. C'est quel buzz? On a dit que c'est le buzz. On a dit que quand Flo m'a embrassé dans la bouche, là, c'était le buzz. C'était pas le buzz. C'est une vraie relation. Voilà. En gros, c'est le buzz parce que vous avez honte. Maintenant, chacun va assumer. Vous allez assumer Amer Kamer maintenant. Les histoires de qu'on fait en privé là. Maintenant, vous allez assumer en public. Voilà, au moins, la seule qui assume maintenant là. Maman, il sait que tu es maintenant veuve. Maintenant, il peut te draguer. La baronne, je peux te draguer maintenant. Maintenant, tu es veuve. Maintenant, il peut te draguer. Maman, sortir avec un lili, ça ne me dérange pas. Sortir avec un lili, ça ne me dérange pas. Non, ok. Mouf. Comment il va laisser la baronne? Maman, il ne laisse pas. Je ne laisse pas, je vais les gnasse tous. Pourquoi je ne parle pas comme ça? Je veux vous rappeler une chose. Pourquoi je ne parle pas comme ça de Natacha? Posez-vous une question. Pourquoi est-ce que je ne parle pas comme ça? Pourquoi je ne parle pas comme ça de Natacha? Posez-vous cette question. Pourquoi c'est toujours les mêmes? Pourquoi c'est toujours les mêmes? Pourquoi je parle toujours comme ça? Pourquoi je parle comme ça de l'étoile caribienne? Et qu'on ne vienne pas me dire Kamer, Kamer, c'est toi qui as ramené l'histoire de l'étoile caribienne. J'ai toujours caché l'étoile caribienne, toujours. Donc quelqu'un qui va venir me dire là, oh, Amer, Kamer, tu as envie de gâter le mariage de l'étoile caribienne. C'est pas moi, c'est elle qui veut gâter son mariage. C'est elle qui veut gâter son mariage. Vous n'allez pas me dire Kamer, Kamer, parce que j'ai parlé à l'étoile caribienne en bas. Je lui ai dit, chérie, laisse. Il dit, chérie, laisse. Elle me dit, oui, j'ai compris. 2 heures après, on passe toute une nuit au téléphone. Toute une nuit au téléphone avec l'étoile caribienne. Quand son mari passe souvent faire le truc là, on passe toute une nuit au téléphone. Parce qu'on fait souvent comment? Comme son mari va regarder WhatsApp, elle va voir que la dernière connexion de WhatsApp, donc au lieu que je l'appelle par WhatsApp, je l'appelle anormal. Comme ça, quand je l'appelle anormal, son mari n'est pas au courant que
on est en communication. Il faut, pour tous ceux qui veulent tromper leur mari, c'est une bonne technique très simple, très efficace, très simple. Donc, pour tous ceux qui veulent tromper leur mari, si ton mari contrôle ton WhatsApp, appelle à normal. Il va penser que ton WhatsApp ne va pas répondre. Donc, il va toujours penser que peut-être tu es en train de dormir, pourtant que tu es en communication. Donc, c'est pour toutes les femmes qui veulent tromper leur mari. Donc, je reviens en ce qui concerne l'étoile qui vient. C'est toi qui es, je vois comment les gens disent maintenant que oh, Amère veut gâter le mariage de l'étoile qui vient. Je veux gâter le mariage de quelle étoile qui vient? Je veux gâter son mariage. Regardez les. Quand je parle, on dit toujours qu'Amère, quand même. Je vois les gens commencer, je vois comment les gens sont en train de dire que, oh, Amère, oui. Si tu veux gâter le mariage de l'étoile cribienne, go Amer Kamer. Là maintenant, je veux gâter le mariage de l'étoile cribienne. Oui, quand l'étoile cribienne menace Oshiga, là, elle ne veut pas gâter mon mariage. Quand l'étoile cribienne attaque Oshiga, elle ne sait pas que derrière, moi-même, j'ai les pressions où Oshiga me menace. Tu vois ce que ta personne est en train de faire. Tu vois ce que ta personne est en train de faire. Là, on ne regarde pas. Là, on ne regarde pas. Vous aimez seulement ce qui vous arrange. Attendez, je change même de trépied. Vous aimez seulement ce qui vous arrange. Quand l'étoile cribienne est en train d'attaquer au Chiga et que je passe tout à négocier, ouais, et qu'à cause de l'étoile, le nombre de fois qu'on m'a refusé le ton, à cause de l'étoile cribienne, je n'ai pas parlé. J'appelais même souvent l'étoile cribienne. Je dis à l'étoile cribienne que, ouais, ma chérie, ouais, on fait comment? Laisse, non. Elle me dit que oui, je laisse pour toi. Mais si elle recommence encore, si elle recommence encore, je dis qu'il n'y a pas de souci. Là, vous ne regardez pas ça. Là, vous ne regardez pas que, oh, machin truc. Vous aimez seulement quand ça vous arrange. Vous aimez seulement quand ça vous arrange. Vous pensez que qui a voulu que notre relation soit au bonjour? Vous pensez que c'était qui? Vous pensez que c'était qui? Quand ça cuit comme ça, en train de cuire, j'entends les gens dire que, oh, Amère, tu veux gâter son mariage. Je veux gâter son mariage. De vous à moi. C'est elle qui sort pour dire que, oh, tu ne mérites pas Amère. C'est elle qui sort pour dire que, oh, oh, oh. Quand ça cuit maintenant que les gens maintenant sont en train de dire que, oh, que non, l'étoile, on est en train de voir que c'est autre chose. Hein. Maintenant que tout le monde est en train de voir, moi je savais depuis que tu me yamou. Non, ce n'est pas la première fois, parce que par rapport à nos conversations aussi, parce qu'on n'a pas de conversations catholiques aussi, il faut le dire. On n'a pas de conversations catholiques. On a le genre de conversation que si tu lis nos conversations, tu vas confirmer que non, papa. Tu vas confirmer que non, ici là. Hein. Voilà. Vous avez remarqué que l'étoile a arrêté de me clasher à un moment donné. Toutes les filles qui me yamou me clashent toujours. Je vous ai toujours dit ça, vous pensez toujours que c'est je. Toutes les filles qui me yamont. Du Cambindo. Du Cambindo, voilà pourquoi tu ne peux pas avoir l'enga. D'abord, le lit, tu n'as pas. D'abord, le lit, tu n'as pas. Comment tu vas faire pour avoir l'enga? Comment tu vas faire pour avoir l'enga? Le lit, tu n'as pas. Donc, je disais donc ceci. Après, vous êtes les premiers à dire que oh, Amère Kamer cherche la visibilité. Cherche quelle visibilité? Ces filles-là qui vous disent la vérité, ce sont les filles qui sont dingues de moi. Vous pensez qu'il y a, je ne sais pas, le genre de gars qui peut sortir à la mer quand même. Demandez à vos soeurs ce qu'elles ont vu sur moi. Et attendre que le 53 cm, on vous a dit qu'on ramasse ça dehors. On vous a dit qu'on ramasse le cou. Là, on parle au cardio. Vous pensez que les gars-là sortent avec moi parce qu'elles m'aiment trop. C'est le bruit du 53 cm. Quand ça démarre, tu as l'impression que c'est MD52. Quand ils mettent ta tête là-bas, je pousse, tu regardes seulement de l'autre côté, je te bombarde, tu as l'impression que tu as bacassé à l'époque. Tu as l'impression que tu as bacassé, Tara. On va venir parler aux gens. On va venir parler aux gens. Bande de perdu. Une bande de perdu. Pensez que quoi? Ça, le nombre de fois que les gars ont dressé le lycée. Pour blaguer. Oh, Amère. Maintenant, vous comprenez pourquoi les gars la bagarre pour arriver ici. Ce n'est pas donné à toutes les filles d'arriver ici. La bagarre est rude. Vous pensez que les gars la bagarre dans les réseaux sociaux, pourquoi? Vous pensez que la bagarre dans les réseaux sociaux, pourquoi? Maman, parce que quand les filles étaient gnasses, il y a le petit parcours de golf. La petite couette, à quoi sert le nounou? Deux fois, celui-ci, c'est un partouzeur. Il appelle Winnie le partouzeur. Petit frère,
quand ils regardent comme ça, tout ce temps, les gardiens ne veulent pas battre. Pourquoi? Mais ils connaissent la maison là comme il n'est pas permis. C'est ça le problème avec vous. Vous manquez tellement que vous aimez toujours que les choses aillent de votre côté. Vous aimez toujours que les choses aillent de votre côté. Quand ça ne part pas de votre côté, vous commencez les PB. Vous commencez les PB. La vérité va tu vas exploser. Ce qui est bien sur vous, ce qui est bien sur vous, quand vous arrêtez de vous entendre, la vérité sort. C'est ce qui est bien sur vous. Quand vous finissez de vous entendre, la vérité sort. Mais quand veut la visibilité. Mais quand veut la visibilité. Je veux quelle visibilité. On voit des filles qui sont. Elles savent que non, le gars, là, l'heure, si là. On voit les filles qui veulent, qui ont besoin d'amour. On voit les gars que non, là, on sent que c'est l'amour qui part. C'est-à-dire que ça, c'est le genre qui avait la partie ici, là. Merde! Tu entends seulement comment l'engagement que j'ai, les flambonnements. Tu me dis que ouais, Tara. L'engagement encore à quel niveau? Tu entends comment l'engagement que ouais, amen. Va voir les dégâts collatéraux de la chambre ici. C'est quand tu l'embrasses. Oh petit frère, voilà les dégâts collatéraux de la Cam d'Amérique. Quel encore qui peut dire? Non, c'est-à-dire que, on suppose, ça dit que. Voilà les dégâts collatéraux. Il est quelle heure? Quand tu zoomes là la Cam, si tu es au paradis. C'est-à-dire que, on appelle ça golf nocturne. Golf nocturne. Oh, ma gâchée, ma planque, on se dit que mouf. On a dit qu'il faut me barrer. Quand tu regardes le décor, tu regardes le concept, elle compte sur quoi? Quand tu sors dehors, c'est l'enfer. Regarde l'enfer. Ici, là. Quand tu es ici, tu es en enfer. Quand tu es là, c'est le paradis. Le paradis est toujours bleu. Hein? Ouais. Pardon, les filles, ne m'a harcelé pas. Pardon. Ne m'a harcelé pas. Je sais que le paradis est dur. Je sais que c'est dur au paradis, mais ne m'a harcelé pas. Les places sont complètes. Les places sont complètes. Attends, je vais mettre ça comme ça. Je vais ouvrir la porte du paradis. On va ouvrir les portes du paradis. Tu sens qu'on peut aller au paradis. Il est à l'aéroport. Donc, il y a le viage dans la piole. Tu vas jouer dans quel coup, petit frère? Man. Pour vous calmer, je vais même baisser le sac. Pour vous calmer, Périca. C'est quoi le téléphone un petit peu? Périca, il faut te calmer. Oh, Amère, Kama, Amère, Kama. Ouais, ma milliardaire, mais il faut que je l'appelle. Ouais, qu'elle ait la pluie là encore. La pluie là encore tombée. Il faut que j'arrive vite au terrain de golf avant que la pluie là ne tombe. Oh, à la salle de sport. Avant que la pluie. Quand tu vois la baronne dit que Amé, je vais t'arrêter, je vais te casser tes petits pieds là. Elle a rien dit que petit, donne-moi l'adresse de la baronne. La baronne arrive à Brive. La baronne arrive à Brive. Je vais te recevoir. Ça ne sert à rien de dire Congo, Amérique, Amérique, etc. Parce que tous les vœux, bon, je prends aussi les vœux. Parce qu'il ne faut pas que la baronne dise que oh, j'ai le disque dit. La baronne m'a dit que la baronne arrive à Brive. Il faut dire à ton gars là que tu le yapas, que ta véritable histoire d'amour que tu as eue juste ta présence avec moi. Tu sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. On sait que c'est vrai. Si je mens, donnons-nous rendez-vous le 14. Donnons-nous rendez-vous le 14 si je mens. Là, on va vraiment voir que non. Amère, Kamer ne manque pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui. Peut-être que le gars-là a une part de vérité.
Elles sont toujours en train de parler. Grand-mère, grand-mère, qui veut le buzz. Je fais le buzz. Les hommes engagés font le buzz. Il y a zéro buzz. Maintenant, elles sont trois filles. L'étoile qui vient. Reine cœur. La baronne de Suisse. Maman. Avec qui je vais passer le 14. Yeah! Et moi, je lui ai un mot. Pardon, je n'ai jamais dit que je... Je vais vous dire quelque chose. Je n'ai jamais dit que je n'ai pas mon flow. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Parce que vous pouvez parler comme ça, vous pensez peut-être que moi, je n'ai pas... Moi-même, je n'ai pas mon... Vous pouvez penser que je n'ai pas mon l'étoile qui vient. Moi-même, j'ai un mot l'étoile qui vient. D'abord, l'étoile qui vient, c'est que je l'aime. Bon, la baronne, j'essaie de voir comment mon cœur peut trouver même un petit meublé. Parce que le cœur de ta mère, c'est comme... l'immeuble. À l'intérieur, tu as les appartements. Moi, ma part sort toujours un genre. Moi, je ne clash pas les femmes. Je veux seulement que moi et toutes mes femmes, on trouve un terrain d'entente. Je veux que toutes mes femmes, on trouve un terrain d'entente. Je sais que la baronne, c'est quelqu'un. Elle aime la fessée quand elle fait l'amour. Je sais qu'elle aime la fessée. Mais la baronne, moi, il y a le matériel. Hein. Je sais que la baronne, c'est le genre d'un gars que. Quand elle me voit comme ça, là, elle me dit, mère, ta mère, je vais te fesser. Il dit, oh chérie, c'est ça que j'aime même. Fesse-moi comme tu veux. Ouais. Bon. Rien que c'est le genre, elle aime les combinaisons, les 4-4-2, attaquant, tout un peu le genre là. C'est le genre que non, on part quelque part. Elle me donne une gare, une gnasse l'engagement, elle est un djembe seulement. Maintenant, l'étoile qui vient, elle est trop. Elle n'aime pas les roues là. Donc, elle me prend, c'est une place. Donc, du coup, bon, moi, je suis disponible. Hein. C'est pas les choses que je vais faire. Non, 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 non. Chacun a sa place dans le tatami. Donc, mais ne créez pas la moutarde, ne tuez pas la petite fille de Tchoui. Mais, vous voulez quoi? J'ai partagé les travaux. Ouais, oh. Ah oui, comment ça va? une ancienne, maman. C'est que c'est toujours un gars qui vient dans les réseaux sociaux. C'est jamais un mec quand même. C'est jamais un mec quand même. Elles marquent leur présence indirectement. On va parler le cas de l'étoile qui vient. L'étoile qui vient, c'est qu'en attaquant aussi gars, farouchement, notre relation sera mise à nu. Elle le sait. Vous pensez que l'étoile qui vient est bête? Vous pensez que l'étoile qui vient ne voulait pas? Parce que l'étoile qui vient à l'instance de divorce. Ça, il faut que vous le dites aussi. L'étoile qui vient à l'instance de divorce. Donc, vous n'allez pas me dire que une femme qui a peur de son mari, elle va faire ce qu'elle fait là. Non. Eh, papa Bobda. Non, mof. Là, j'ai passé au niveau de Bobda, dis donc. Donc, vous n'allez pas me dire qu'une femme qui est mariée comme l'étoile qui vient, elle attaque. Elle veut montrer aux gens que j'ai une relation particulière avec ta mère, quand même. Vous pensez que quoi? Non, Tala, regardez les choses en vrai. Après, on va dire que ta mère exagère. Regardez les attaques de l'étoile tribienne. C'est pour montrer aux yeux du monde que j'ai une relation particulière avec ta mère, quand même. Regardez la relation avec Renker. Pendant que l'étoile tribienne dit que j'ai une relation particulière avec ta mère, quand même. Rien que sa sortie, c'est Amer quand même appartient. Est-ce que vous voyez un peu les combinaisons? Si tu as, je te lance un défi, toi qui sois avec Flo, poste une photo comme je poste là. Poste une photo. Et m'entendre ici que oh, poste une photo. Je dis au gars de Flo, écoute ce que je te dis. Ah, je suis sûr que tu n'es pas beau. Tu n'es pas charismatique. Tu ne peux pas défendre Flo, c'est pour ça qu'elle te cache. Maintenant, il te lance un défi, fais comme moi. Poste la photo, on voit. Et si tu tentes, et si tu tentes de voir une photo de toi avec Flore, je prends ta photo, j'envoie ça sur le marabout. Ça va se passer comme ça. C'est grand n'importe quoi, au talent, c'est ton problème. Maintenant, on passe aux menaces. Maintenant, on passe aux menaces. Vous pensez que quoi? On passe aux menaces maintenant. J'ai dit,
Toi, le gars qui sort avec Flore, on m'a dit que tu es Gabonais. Toi, le Gabonais qui sort avec Flore, écoute bien, il m'appelle la mère, ta mère, Alias Soufflé, non internationalement reconnu, donné par la reine que en personne. Maintenant, elle me met le poisson dans la bouche. On t'a déjà mis le poisson dans la bouche. On t'a déjà mis le poisson dans la bouche. On t'a déjà invité chez Mahana. Oh, non, Amerika. Elle dit que je suis le seul gars de Flore certifié. Certifié par les billes, les mangeages de poisson, les mangements des bouches, les tripotages, les dansements. Les... Non, aussi quand là-bas, l'infirmerie, le combat est devenu violent. Parce que l'engagé veut sortir à Amerika, mais il doit avoir des forces terribles. Parce que le combat est rude. Sans compter l'autre engagé avec ta peau aussi, qui m'a accusé de l'avoir enceinte. Et pourtant, quand j'ai connu l'engagé, elle était il y a 3 semaines de grossesse. On ne peut pas m'accuser d'avoir enceinte une fille. Pourtant, j'ai trouvé que la fille avait 3 semaines de grossesse. Là, je refuse. Donc, du coup, quand Oshiga allait dire la vérité, elle a attrapé Oshiga. Mais par contre, mais moi, j'ai les gars. Hein. Hey, c'est violent. Sortez à la mer quand même. Le clan de la mer quand même, c'est comme l'Ukraine. Yeah. Le clan de la mer quand même, c'est comme l'Ukraine. Si tu n'as pas le rail. Hein? Oh, est-ce que c'est juste discute? Laissez-moi le petit bruit que les gars font dehors. Laissez-moi le petit bruit que les gars font dehors. Go Amer Kamer cherche la visibilité. Vous voyez les femmes qui cherchent le positionnement du cœur. On vous a dit que quoi? Je suis le seul blogueur charismatique de la toile. Le seul. Le number uno. Quand j'ouvre le live, tous les gars se disent qu'il va parler de quoi? Mais je viens de lancer un défi. Oh, ouais. Mais je viens de lancer un défi. Hein. Je demande au gars de Flore, le Gabonais. Le Gabonais de Flore, écoute ce qu'il va te dire. C'est manga. Et ça restera manga. Aujourd'hui, demain, après-demain. Si tu t'amuses, je vois une... Oh Seigneur. Maintenant, alors, je vais te dire ce qu'il va pousser le tout aussi. Ma... Ce qu'il va pousser le tout aussi, c'est quand j'ai envoyé les roses. Quand j'ai envoyé le paquet de roses, la manière qu'elle disait que la lecture, du... la lecture de l'heure des roses, là, c'est ce qu'il va envoyer le tout aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Non, c'est... Ici, j'arrive à la salle de sport. Mais comme il y a la musique, elle... Que... Attends, je me mets de ce côté-là. Je m'assois d'abord à 2 minutes. On tape le commentaire 2 minutes avant de couper le live. Après, on peut passer sur TikTok après. Non, mais le problème, et je dis et je répète ceci. Il ne faut pas qu'on tourne autour du pot. Il ne faut pas qu'on tourne autour du pot. Je vous ai dit ça. Les histoires que... Attendez. Attendez, je le dresse. Voilà. Je fais encore un petit, après on entre dans la salle. Il ne faut pas qu'on tourne autour du pot. Il ne faut pas qu'on tourne autour du coup. Quand tu regardes là-bas, mère ta mère, le charisme est là. Si tu vois l'étoile qui vient mourir, parce que l'étoile qui vient d'aller à toucher le port, l'étoile qui vient d'aller à contempler le port, à contempler, l'étoile qui vient de rester comme ça, elle dit dans mon cœur, tu seras toujours là. Est-ce que je mens? Écrivez là-bas, Amen, Amen, ne manque pas. Bombardez les cœurs, si je mens, bombardez les cœurs. Mais le problème commence quand je m'en vais m'installer sur Oshiga. C'est là où ma reine cœur sort. C'est là où. La baronne sort. C'est là où l'étoile qui vient sort. Vous pensez qu'elle sort comment? Mais sauf que la baronne ne peut pas encore bien s'afficher parce qu'elle a besoin de déposer le dossier. Mais l'étoile qui vient a déjà mangé le porc. Soit elle a mangé le porc. Donc ça veut dire que quoi? Les deux sortent. Et il y a même une vidéo où. Ne discutez pas. Mais quand ils ont commencé, quand ils sont allés avocat, ils sont allés habiter sur Chica, vous discutez pas. Allez dans les réseaux sociaux, regardez. Allez dans les réseaux sociaux, regardez. Attends un peu, je rêve le but à l'intérieur parce que le but là, c'est déjà. Non, c'est que comme c'est long, donc de fois ça sort souvent quand. Mais là où c'est la vérité que j'ai juste. Allez, rap, dis tout et n'importe quoi. C'est quand il m'avait piolé sur Flore et je suis gardé les problèmes comme s'éclatent complètement. Est-ce que je manque? Je ne manque pas. Vous allez nier autant que vous voulez, mais vous n'allez pas enlever la vérité là. Vous n'allez pas enlever cette vérité que c'est quand je m'en vais habiter chez. Jusqu'à elle avait fait un jour, elle m'a mis que nous voilà qui est assis là, non. Nous voilà qui est couché là, non. Pendant ce temps, vous parlez de quoi? Les combats deviennent violents quand je m'en vais habiter chez Oshiga. C'est là où les combats deviennent violents. C'est là où Oshiga m'interdit d'aller à la soirée.
C'est là où tu as commencé à poser beaucoup d'interdictions. C'est là où les problèmes. Ce que tu fais là, les réseaux sociaux, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a les guerres dehors. Hein? On a tout. On va faire un condamné. Petit, vous l'avez dit, vous l'avez dit. Yel-moi, petit. Bablabang. Bolaba, y'a un bégré, un gantan. Un orbe, mon pro, un orbe, petit, y'a là. Non, je le conseille, je le conseille. Ouais. Mon frère. Je ne parle pas de la soirée, petit bordel. Tu as compris, Rosabelle, petit bordel, je ne parle pas de la soirée. Il s'en est de parler à mon gars. Son vrai nom, c'est Jacob. Je parle à mon gars. Tu me parles de quoi? À Jacob, je te dis, il y a mon bon bégré, ce que tu fais dehors, je ne suis pas content de ça. Nous, il y a mon kéle, il t'a dit, il m'a coquet, job. Tu vois, un petit peu ouvrir seulement la voie, tu joues. Chaque fois, il y a un trou, tu entres petit, tu es revenu malox. Partout, il y a le trou. Non, respecte quand même les enfants des gens. Hein. Hein? Mon frère, les femmes ne restent pas à cause. Je coûte cher. Hein. Je fais souvent les petits contrats de un mois, deux mois. Ouais. Les gens vont parler que oh. Quel article qui peut me dire non? Elles sont là. Je vais gnasse toutes les blogueuses camerounaises. Toutes. Je vais les gnasse all. On parle de quoi? À partir, attends, la condition est simple quand même. Il faut avoir plus de. Voilà. Parce que comme Poka marche beaucoup avec Aïcha. Ma prochaine go, c'est Aïcha Kamoua. Allô, Fokam, c'est comment non? Oui, je suis en direct. C'était pour te dire que tu veux me brancher avec Aïcha Kamoua, non? J'attends toujours. Hein. Mais il n'y a pas de problème, toi. Mais moi, j'arrive à Paris. Je suis là à la soirée de Gluta Cosmétique. Viens à la soirée de Gluta Cosmétique. C'est demain, c'est de 11 à 18h. Je suis malade. Je suis un personnage public. Parle, ne m'invite pas comme il se doit. Tu viens en tant que manga. C'est comment avec toi? Tu me boudes. Il y a 700 personnes sur Facebook. Donc, ce n'est pas que je tourne. Il y a Joga que non. Aïcha Kamoua, c'est ma prochaine gars. Et c'est que tu vas me faciliter la tâche. Non, ça, c'est rien. Ça, c'est. Mais je te rappelle que demain, je serai à la soirée de. La soirée de Gluta. Tu sais quoi? Je serai à la soirée de Gluta Cosmétique demain. Non, c'est pas une soirée, c'est une. Bon, en gros, je vais t'envoyer tous les. Je vais t'appeler tout à l'heure. C'est moi qui t'invite. Tu viens en tant que manga. Mais dis que donne-moi le contrat chez Gluta, non? On va venir, on va te donner. Mais je t'appelle pourquoi d'après toi? Il t'appelle pourquoi? Comme ça, il te met devant Gluta. Je propose que voilà quelqu'un, un bon. Et qui? Elle compte encore de ta politique commerciale, on ne doute pas. Mais je vais te donner le contrat de Gluta Cosmétique à condition que tu me donnes deux rendez-vous avec Aïcha. Mais pour que tu prennes les rendez-vous avec Aïcha, il faut que tu parce que si on continue à vous chier, toi, tu vas voir que les forces vont tomber sur elle. Tu vas dire que les bastonnages, tu vois un peu. Donc, pour l'instant, comme elle a eu un mois d'arrêt maladie, donc il préfère d'abord garder l'enfant comme ça. Je commence encore à construire l'enfant petit. Mais entre temps, je me mets d'abord avec Aïcha Kamoua. Ok. Mais le problème, c'est que si tu avais un couple avec Aïcha, ce n'est qu'elle que tu dois assumer. Mais ce n'est qu'elle que je dois assumer. J'assume déjà que je ne suis pas encore avec elle. Mais quand je serai avec elle, ça va comment alors? Tu vas lui même comment dire donc? Problème. On va faire l'appel de conférence à l'autre. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, tu vas en faire. Ok. Tu viens sur Paris quand? Je suis sur Paris demain et j'ai la conférence avec Gluta Cosmétique à 11h. Je vais t'envoyer tout. Peut-être même que je vais envoyer un. Je vais venir te chercher. Oui, tu as la voiture, non, je t'envoie juste mon adresse. Voilà, exactement. Là, tu te plates et que c'est tout ça qu'on tourne. Merde. Ok, il y a. Hop. Ça sera un échange de service. Je te mets à Aïcha. Ok. Moi-même, je te le dossier là. Je l'appelle même plus. Tu voilà, appelle seulement. Tu dis que oui. Son dossier est avancé. Ok, ça marche. Je l'appelle, je t'ajoute. Ok. Voilà, on va m'approcher dans les réseaux. Vous parlez même de quoi? Quand on parle de vrai, vous me perdez le temps, c'est la Congo. Donc, Auchan. Non, Auchan est enceinte, elle n'est plus sur le trou, elle n'est plus sur le cou. Quand une fille enceinte, elle est à côté. Moi, je ne suis pas dans le circuit. C'est ma faute qui est en train de faire le problème pour l'instant là. Parce que c'est qu'Aïcha Kamoua. Hein? Bon, les gars, je m'avais fait le sport. Mais par contre, je connais. Retrouvez-moi sur Amer Kamer. Mais si double sim, de côté là, vous inquiétez même pas. Là où il y a le feu, je donne la demande. Là où il y a le feu, envoie la demande. La tête comme l'igname du deuil. Bon, les gars, ici j'ai arrivé à la salle de sport là. Bon, je vais me connecter maintenant sur. En principe, je ne peux pas me connecter parce que Facebook.
Facebook coupe les musiques. Si on suit, passer à l'intérieur de. Il y a les musiques à l'intérieur. Donc, passer à les musiques à l'intérieur de Basic. Donc, comme il y a les musiques à l'intérieur, je ne peux pas me permettre de. Ils vont me bloquer directement. Oui, là. Hey, Lambo, Lambo. Ah, mais tu ne fais rien de mal. Bon, les gars, on se voit tout à l'heure. Il sera encore en live tout à l'heure vers 19h, 20h. Mais pour l'instant, je change. Je m'en vais directement sur TikTok. Salut la famille, merci.